Voilà, donc ici le personnage est créé. Alors on va faire un petit tour de l'écran. Alors au-dessus il y a donc les petits touches raccourcis, à savoir héros pour voir où est-ce que le héros a, on va faire plus tard. Voilà, il y a son histoire personnelle. Et ça c'est les quêtes qu'il a achevées. Ensuite, il y a l'inventaire. L'inventaire est une façon ici. Il faut savoir qu'on peut posséder plusieurs sites. Et notre hymne de démo, ben, c'est notre hymne de démo. Et game menu skill pour revenir au menu principal. Alors ici en bas à gauche on a le chat avec les options sur le chat. Ici au milieu on a la barre des compétences pour savoir que les compétences peuvent changer. Voilà, je vais passer de nouveau en classe. Mais, il faut attendre le chargement. A savoir que les 4 compétences sont ici. Ici donc c'est la barre de vie. C'est le rond de la vie. Ici c'est l'énergie et ici il y a une autre barre qui apparaîtra. Alors voilà la boussole. Et ici au-dessus alors c'est le journal des quêtes. Alors on a l'apparition de la carte. Alors il faut savoir que voilà. Donc on a la crite, la tsugi, les montagnes, Ascalon est toujours à sa place. Ils vont bien voir que les cartes ont bien changé. Alors on voit qu'il y a des avant-postes un peu partout. Ratasson, c'est où on passe avec les races. Citadelle Noire, ça c'est seulement là où il y a le boss. Donc ici, on va